Nous avons fait ça. Au nom de territoire politique de l'opposition que je connais déjà, il y a la donne, OBL, VEO, Unité, Fusion, AAA, Uniforce, Secteur démocratique et populaire, VGT et Mokrena. Jodia, territoire politique opposition a présenté une conférence de presse sous proposition de gouvernance pour une transition réussie après 7 février 2021. Mais avant que nous entrions dans la proposition, nous avons une situation maloue qui a traversé le pays. Pendant la parole, les gens dans la rue a dit non contre le kidnapping. La police, au lieu que d'aller chercher, dénicher les gens qui ont fait le kidnapping, eh bien, ces médecins, ces étudiants qui n'ont pas de gaz, qui ont tiré sur eux. Situation maloute, ça, il y a 3 points qui caractérisent l'insécurité, ça, kidnapping là. Comment on t'a appelé pour les gens qui ont fait kidnapping dans le pays, ils connaissent, ils revendiquent kidnapping là. Ils connaissent côté. La police avec l'exécutif, il y a environ 12 milliards de gouttes dans le pays. Il y a 5 milliards. Depuis 2 ans, il y a un côté de l'Union. Il y a un côté de l'Union. Et puis, rien n'est pas fait. Même là, il y a agi pour la libérer au monde, il y a 20 personnes dans le même journée. Ça veut dire que je dis à son kidnapping d'État. Et c'est peut-être ça, dans le directoire politique là, nous dit que c'est pour les Haïtiens mobiliser et lever campé contre situation ça. Et tant tout le monde d'audio. Comment on t'a appelé dans le pays ça? En plus de kidnapping d'État, tout le monde connaît ses manger, descend manger. En pile démagogie, a fait avec un goût, qui je dis à remonter, prix manger, remonter encore. Pendant que prix manger, remonter, l'État ça a prêté environ 200 millions de dollars pour y faire production. Côté production ça. Côté monde, il a prêté quoi bio. L'État a accepté pour kidnapper comme ça. Insécurité, misère. Et puis l'État, ça, exécutif là, dans la situation ça, qui ça l'a fait, c'est parler de constitution avec élection. Pendant que Mounio, il n'y a pas de 4. Il fait 2 ans, c'est 3 millions de seulement qui fait 4. Il y a 1,5 qui distribue. Il y a 4,5 millions qui va gagner. Et puis l'État, ça, exécutif, va parler d'élection. Donc il veut kidnapper 20 Mounio. C'est dans la situation là, tout ça, que nous dit, nous ne pouvons pas accepter. Et t'as dû faire ça. On ne peut pas accepter que Mounio n'a pas qu'à vivre en sécurité. Il n'a pas qu'à mener si Mounio l'école. Il y a kidnappé au chaque jour. Il y a une misère. Et puis, il y a sorti pour kidnapper la démocratie. Il y a kidnappé pour Dieu. Et c'est peut-être ça. C'est toi, policier, pour réussir en responsabilité. Il dit, ça va normal. Et c'est peut-être ça, je dis. Nous allons faire proposition pour gouvernance après 7 février pour une carte de transition réussie. Faire un pays côté tout le monde qui a bien vu la table. Et dans ce sens, il y a un conseil ministre Paul Denis, une force qui pourra faire mise en contexte là pour que après nous gagnions, eh bien, même André Michel et Alice Valentin dans le détail. Tout le monde, c'est trois politiques opposition, tout le monde qui a manifesté, qui a dit situation impossible parce que nous n'avons pas capable de la donne et nous dit il faut que ça change. Changer place. Que vous devez changer place. Depuis 3 mois, il a travaillé pour préparer une proposition de sortie de crise. En pile discussion nous fait entre nous-mêmes, en pile discussion nous fait entre nous-mêmes et en pile l'autre, le monde de la société,
par exemple, nous consulter une série de monde dans la société civile, là, par exemple, parler avec les évêques, avec des recteurs d'université, de monde qui l'ont organisation droits de l'homme et organisation qui l'ont diaspora haïtienne, là, des journalistes, des directeurs de médias, pasteurs protestants, anciens premiers ministres, organisations de base, anciens présidents de la République, et puis le non-apostolat. Alors, nous avons dit, après toute réflexion et discussion, nous sortons avec une proposition de sortie de crise. La proposition de sortie de crise, là, ce n'est pas la propriété du directoire politique de l'opposition. Mais c'est une réflexion pour faire, pour partager avec une série de monde dans la société. Je dis à la, nous prenons une décision pour nous rendre public. Et à cette occasion, nous avons dit, il est important pour nous tous, nous gagnons ça dans la tête. Et l'opposition que nous représentons là, il va faire un bagage définitif. C'est pas un bagage qui coule dans du béton. Et puis, rien pas qu'à changer la dent, à prendre ou à laisser. Son document de réflexion pour discussion avec une série de monde, organisations. Par exemple, les partis politiques, organisations de la société civile, secteur privé des affaires, tout groupe qui est intéressé, tout citoyen, citoyenne, qui comprend que situation ça, nous y est la journée aujourd'hui, à cause des mauvaises gouvernances successives qui fait dans le pays, et tout particulièrement la gouvernance de Jovenel Moïse, eh bien, il a plongé le pays dans une situation insupportable, inacceptable. Alors, nous proposons pour nous mener une bataille, pour nous capables de ramasser des figures comme citoyens, comme organisation de la société, face à ça nous relève la duplicité, les prétentions, l'arrogance, le cynisme des acteurs internationaux qui prétendent qu'ils sont capables d'imposer nous, ça nous-mêmes, ça peuple à lui-même, lui pas vrai. Ils sont capables d'imposer nous, ça ils pensent qui bon pour nous, alors que nous-mêmes comme peuple, nous avons une réflexion pas nous. Nous avons une position pas nous, nous avons un choix pas nous. Situation ça, que nous vivons la journée aujourd'hui, situation misérable, situation de pauvreté ça, nous vivons un pays, nous décidons pour nous dire non, nous pas accepter de continuer à vivre dans la situation ça. Une situation qui est dominée, qui est entretenue par les mafias économiques et politiques qui bannent la journée aujourd'hui à la recrudescence à travers le pays dans situation côté. N'importe qui monde qui vivre dans le pays ça ou capable victime de meurtre, de viol, de kidnapping. Alors, cette proposition que nous soumettons à l'ensemble de cette société haïtienne, c'est une proposition que nous dit réfléchir avec nous. Nous-mêmes, nous avons coupé, nous avons accompagné pour un final nous sortir avec un texte définitif. Et là, nous-mêmes, d'ores et déjà, nous-mêmes, le directoire politique de l'opposition, nous font appel au peuple de ce pays, à tous les secteurs de ce pays, pour nous mobiliser, pour nous dire non. Non à la dictature, non à toute forme de coup d'État pour prolonger le mandat de Jovenel Moïse. Nous disons tout, c'est pour nous mobiliser du même coup, pour nous dire oui, oui, pour qu'ils aient empathie. 7 février 2021, au plus tard. Oui à une gouvernance transitoire à partir du 7 février 2021. Pour nous jeter les bases de la refondation de l'autre pays, de l'autre société. Nous peuple uni, eh bien, personne n'est pas capable de battre. Nous vaincrons
Vive Haïti. D'accord. Merci. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes capables de comprendre. J'en tout le monde constate la transition est inévitable. La transition est inévitable. L'article 134-2 de la Constitution de notre République est clair. Mandat de Jovenel Moïse prendra fin indiscutablement le 7 février 2021 sans aucune possibilité de confusion. L'article 239 du décret électoral de mars 2015 va dans le même sens. La transition est inévitable. Nous sommes à moins de 70 jours de la fin du mandat de celui qui occupe aujourd'hui le palais national. Voilà pourquoi, en tant qu'opposition politique responsable, en tant qu'opposition politique consciente de ce que nous avons comme opposition, comme responsabilité, cette opposition consciente décide aujourd'hui pour proposer à la nation une solution de sortie de crise. Très bien, c'est une proposition que nous faisons à la nation. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, notre proposition est un débat officiel. Et nous demandons à tous les secteurs de la vie nationale pour nous approprier nos propositions. Nous retirer ça, nous méritons retirer la dame. Nous changer ça qui mérite changer. Pour ajouter ça qui mérite ajouter. Et voilà l'essentiel de ce que nous proposons pour la gouvernance de cette transition. On dit, nous mettez en discussion, nous proposer deux possibilités. Première possibilité, un président provisoire qui sorti dans le cours de cassation avec mon premier ministre qui sorti soit dans la société civile, qui a responsabilité de contrôler l'action du gouvernement de transition.
Et c'est cet organe de contrôle gouvernement qui prend des responsabilités pour veiller à la mise en application de la feuille de route du gouvernement de transition. Et on dit très clairement, pendant tout mois de décembre, pendant tout le reste mois de décembre, consultation a poursuivre autour de cette proposition de sortie de crise. Et à la fin du mois de décembre 2020, la petite pour nation qui joue a présenté officiellement notre proposition de sortie de crise du Sénat. Alors, mes chers compatriotes, mes chers amis, à partir d'aujourd'hui, notre proposition de sortie de crise est officiellement en débat et nous ne pouvons pas prendre en route, même si il y a des manœuvres de diversion. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, l'essentiel de ce que nous proposons en termes de gouvernance pour la transition. Je reprends les deux possibilités que nous proposons pour la gouvernance. Un, un président provisoire qui sortit dans le cours de cassation avec un premier ministre qui sortit soit dans la classe politique opposition, soit dans la société civile-là, qui pourra diriger un gouvernement resserré, orienté vers le résultat. Deuxième possibilité, un premier ministre qui sortit en dedans société civile là, bien en dedans opposition, qui va diriger au gouvernement avec des personnalités crédibles, au gouvernement orienté vers le résultat. Dans cette deuxième possibilité, pas de président pour soi. Même si dans des canaux, puis qu'on va regarder, en aller avec. Merci en pile, la presse. Voilà l'essentiel de notre proposition. C'est une proposition de sortie de crise que nous mettons en débat et nous disons que pour les trois prochaines semaines du mois de décembre pour nous faire débat, faire discussion sur lui. Et nous disons que le 20 mois de décembre, la petite nation qui joue a présenté la proposition finale là. Qui positionne par rapport avec demain? Et ça dit à Tribunal qui proposait que l'Église catholique a un rôle médiateur qui est capable de donner une solution à la crise. Ça dit à Tribunal qui proposait que l'Église catholique a un rôle médiation pour la crise politique. À ma proposition, nous venons de proposer à la nation notre proposition de sortie de crise. C'est lui-même la discussion. Nous avons deux possibilités. Ou bien nous discuter, nous chercher le président provisoire pendant la Cour de cassation, nous choisissons le juge, avec un premier ministre qui sortit soit dans l'opposition politique là, soit dans la société civile là, qui va diriger un gouvernement orienté vers le résultat, un gouvernement composé de personnalités crédibles et nettes. Et deuxième possibilité, c'est le premier ministre qui sortit soit
dans l'opposition, soit dans la société civile, qui va diriger un gouvernement resserré. Et la deuxième possibilité, ça, pas que le président. Maintenant, vous cherchez de l'emploi. Au contraire, nous invitons l'Église catholique à lire notre proposition de sortie de crise et nous attendons la réaction de toute la société haïtienne qui comprend. Michel, quoi faire objet de débat? Est-ce que nous. Mais ce débat nous mettez. Vous avez à faire un but en jouant là. Est-ce que vous avez la proposition? Notre proposition n'est pas bonne. Notre proposition est là. Voilà. Nous on a compris les